Quand il est revenu de l'Arabie Saoudite, ne pensez pas que Couillard, en mettant le pied ici, était pour crier sur tous les toits qu'il en rapportait. Un agenda islamiste ultra secret, admiratif des coutumes de ce pays, comme la flagellation et la polygamie. Couillard était convaincu de la facilité avec, il pourrait implanter de telles pratiques au Québec, surtout chez les libéraux qui n'auraient qu'à intégrer une touche d'intégrisme à leur peu d'intégrité. Sitôt au pouvoir, le ratoureux docteur, ne pouvant pas tout de suite couper la main aux voleurs, s'est rabattu sur les coupes dans les postes et les programmes, dans la plus pure tradition d'austérité de l'islam. Et ce n'est qu'un début, on verra prochainement toutes les femmes employées par le gouvernement être mises à la porte si elles ne portent pas le voile, ce qui va les contraindre au bien-être halal. Hydro-Québec, au lieu de distribuer du courant, va plutôt se mettre à distribuer le Coran. Ainsi, au lieu d'une lumière incertaine et profane, on aura celle du prophète qui ne connaît pas de panne. Devant l'ancien forum, la Plaza Alexignon sera rebaptisée la Plaza Alexision. On va voiler le rocher percé dont le trou énorme pourrait être source d'excitation pour les hommes. Toutes les SAQ seront converties en mosquées et tous les joueurs du Canadien seront repêchés en Arabie Saoudite, au Yémen et au Koweït. Et go Arabs, go! Criera la foule à tue-tête. Au lieu de s'abrutir en affant de la télévision, nos familles pourront assister à des lapidations. D'un niveau moral, on ne peut plus haut. Ah, ce sont de beaux jets de Pierre Moreau. Pierre Moreau? Et le cheddar auront fait place au tagine, au couscous et au tchador. L'ayatollah le Couillard escaladera jusqu'au sommet la tour du Parlement transformée en minaret pour déclarer le Québec république islamique, dont la charte des valeurs sera un mariage unique entre d'une part le halal et la charia et d'autre part le libéral et la mafia. Alors Gilles Vigneault, devenu un imam, va entonner Jean du pays et Tam d'Islam. Michel Rivard, converti lui avec, chantera pour sa part: je voudrais voir la Mecque.